Les gens. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la suite de cet épisode. Let's go. Alors, on va choisir donc pour The Katniss. Il me faut du minage, mais il me faut aussi de l'agriculture. Donc c'est un choix cornélien. Je ne sais pas du tout si elle a, enfin si il ou elle a marqué quelque chose dessus. Ah, tu es toujours là. Parfait. Donc tu as le temps de réfléchir, The Katniss, alors. Parfait. Ben, je t'écoute alors. Je me tais et je t'écoute. À toi de me dire ce que tu veux. Minage, agriculture, médecine. Et après, pour ton trait aussi. Alors, minage est trop intelligent. Ok, let's go. Parfait. Alors, on va pouvoir te mettre à la carrière. Miner et obtenir des ressources dans la carrière. Ok. Peut-être même te mettre ici aussi à 2. Ça va bien se passer. Crise de foi. Ah, mais ça tilte pas mal, hein. Ça tilte pas mal. Animaux affamés, c'est pas grave. Bah écoutez, ils vont s'auto-réguler. On m'avait posé la question hein, sur YouTube en disant « Ah, mais comment ça se fait que tu gères pas ça, que tu gères pas ça comme ça ?» Et ben, en gros, on arrive à la phase qui est contrôlée, hein, parce que j'en ai beaucoup. Et ben, ça va réguler la population. C'est pas grave. Un peu de disette de temps en temps, c'est la sélection naturelle. Crise de foi, bah oui, bah crise de foi. Qui c'est qu'on aurait chez nous à rajeunir, là? Parce que Jacob, maintenant, il va devenir un jouet. Jacob, il est prêt pour son dernier voyage. On a qui? On a toujours notre esclave, hein. Bidule, on commence à s'attacher à Bidule, quoi. Gelé. Exposition au froid, excellent. Plat raffiné dans la prison. Ouais. Il va le récupérer après. Alors, je vais regarder si quelqu'un de chez nous aurait besoin d'un truc comme ça. Il me semble pas. En termes d'âge, je crois pas. 23, 28, 24, 34, 23, 30, 14, Canton. T'as, tu survis bien, The Best, hein. Truc de dingue, hein. Alors, Canton, 38, ça passe. Hein. Corba, 40, ça passe aussi. Non, on va le faire pour Bidule. On va le faire pour Bidule. Donc, c'est qui ici? Bidule sur Jacob. Ok. Ah, on a l'amnésie qui est bon aussi. Allez, chronophagie. Alors, l'invocateur. Donc, Bidule. Tu es là. La cible. Jacob. Tu es là. Maintenant, prenons des personnes qui peuvent t'aider au mieux. Alors, Bard. Kago. Canton. Et The Katniss, je pense. Ouais, parce qu'après, on a que du 110, 110. Même pas, on a du 115, 115. Ok. Bidule va revenir en enfance, mais toujours avec son Alzheimer. J'espère pas, on va voir. 11 ans. L'autre, Bidule va revenir à 23 ans, et d'ailleurs, ça sera le dernier combo, après on pourra plus rien faire. Et Jacob va passer à 92 ans, quoi. Oh, c'est pas possible, ça! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Allez, dernière chance pour Bidule, pour faire partir son Alzheimer une bonne fois pour toutes. Bon, c'est un esclave, hein, mais on a appris à s'y attacher quand même.
Une fois que j'aurai fini de reconstruire les ateliers, c'est quasiment fait. Est-ce qu'il a sauvegardé les trucs? Ah, il a pas sauvegardé par contre. Ah, c'est marrant, c'est qu'il a sauvegardé là, mais il a pas sauvegardé ici. C'est très marrant ça. Il a sauvegardé tout ce qu'il devait faire ici, mais là, il a rien sauvegardé du tout. Alors, je fais juste une petite aparté là-dessus. La prothèse auditive, là. Efficacité du corps, 65%. Ouais, c'est pourri, quoi. C'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Faut au moins une dizaine d'obus. Là non plus, il n'a pas sauvegardé. Faudra qu'on fasse ça, clavecin, harpe. Ok. On va pas repartir sur un cycle. Ah oui, exact, les prothèses sont ici, pardon. Faut vite qu'on passe chevalier d'arc hein, pour qu'il puisse aller faire du commerce et racheter encore plus d'équipement. Hein. Qu'on continue à se blinder en équipement. Hein. Camille sent que ça part en live. Donc Camille, en quoi est-elle destinée? À pas grand-chose. Ah, Camille a peut-être senti le... Ouais, Camille a senti le truc qui part en live. Canton, non. Korbac. Évite de taper trop fort, Korbac. Ok, parfait. Bon, le jeu est clément pour l'instant. J'espère que ça va durer. Let's go! Mais c'est magnifique ça! Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Bidule a rajeuni de 11 ans et a désormais 23 ans et il a guéri son Alzheimer. Parfait. Merci, merci Jacob. Ah, Lynx est redevenu encore un libérateur. Oh. Oh. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Hein? Ça, vous savez ce que c'est ça? Alors déjà, j'ai des fragments. Déjà, j'ai des fragments. Allez, on accepte pour... Glande d'armure, ça fait quoi ça? Je pense que les glandes d'armure peuvent être sympas. Ouais, ça peut être plusieurs choses, effectivement. Les glandes, ça peut être sympa. Pour tous les corps à corps. Tous les corps à corps qui seront équipés de deux jambes bioniques. Pour compenser le malus des mouvements. Allez, vas-y. Ça rend moche. Mais c'est pas grave, ça... C'est dans la tête. Regarde, au niveau social. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Au niveau du sable, t'as vu, on n'est pas très perturbé. Au niveau du sable, au niveau social, pardon, pour Monsieur Gamer, on n'est pas très perturbé. Pour Lorient, il a déjà des enfants. C'est fait. Canton, hein.
Et Korbach. Ça va? Il le vit bien, hein? Allez, vas-y, c'est quoi? Un cube! Le cube doré est là, let's go! Let's go, let's go, let's go! Alors, je les note les noms là. Barn, Lorient. Ok. Ok, ok, ok. Galgarad, on peut être trahi que par les siens, hein. Ok. Allez, go. Exactement, Kago. T'as tout compris. Ok, The Best aussi. Bien, j'ai plus de modérateur. Galgarad et The Best, le prochain assaut, vous allez stopper les balles avec votre tête. Votre meilleur sourire. J'ai pas dit que j'aimais le cube, j'étais juste étonné par le cube. Lorient. Ok, ok, ça marche. Ça marche, Lorient, j'accepte. J'accepte, j'accepte. Quête achevée. Oui, bon, on a reçu le schéma. Le schéma est ici, d'ailleurs. Tanguy, je note aussi. Voilà le retour des Goulooms. Alors, on va pas trop perdre de temps. Ça sera à fond dessus. Quoi. Alors. J'ai droit à une nouvelle recherche, c'est ça ? Impulsion ionique. Accomplissez un rituel psychique qui rend les gens de la région plus heureux, mais réduit leur désir de travailler. Allez, let's go. Non, 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 on va l'étudier, on va le défoncer. De toute façon, faut y passer. Projet de recherche. Je le répète, hein, les gens, c'est normal. Hein, pour tous ceux qui voient ça en direct ou en replay, c'est pas grave. Les animaux qui crèvent la dalle, ça s'appelle la sélection naturelle. No panique, quoi. Y a pas les armures à rechercher. Si, on a de l'armure de commando à rechercher. Mais en termes de recherche, tu passes clairement sur sciences occultes en priorité. Kago, ne craque pas. Tu me le défonces, ce cube. Bon, ça marche comment, là, le dressage? On est bien, là? Ok, ça remonte pour les Red. Tanguy. J'ai pas l'impression que ça monte beaucoup, hein. C'est qui ma dernière femelle? Ok, normal. Tanguy, Tanguy, Tanguy.
Maître Lorient. J'espère que ça dresse. Hein. Culture hydro. Non, on n'est pas trop parti sur la culture hydro, honnêtement. Wow! Transporte-moi ça, s'il te plaît. Merci. Alors, conversion. MJ. MJ, tu es converti. Donc maintenant, on va passer en mode amadoué. Ça marche, Kargan. Des bisous. Et on se voit dimanche soir. Dimanche soir pour la suite des aventures. Pouvoir de conversion de Gardan sur un des prisonniers. Oui, on a qui? C'est Mac, hein, je crois qu'on est en train de convertir. Non, pas Mac. Mac, on l'amadou. Et on va la recruter. C'est qui? C'est un futur esclave, je crois. Réduire la volonté, ça c'est fait. Donc là, ça va être convertir pour Little. C'est ça, hein, je crois. Hein. On avait dit ça. Hein. Attends. Non, elle a zéro en volonté, donc c'est convertir, effectivement. Convertir pour futur esclave. MJ, MJ. Ça sera esclave aussi, je crois. C'est qui que je suis censé recruter, là? J'en ai deux qui sont censés être recrutés. Je suis perdu, il y a trop de prisonniers, là. Mac, on recrute. Elle, c'est certain, c'est la savante. C'est qui le second qu'on est censé recruter? Pas toi. C'est Mike, je crois, non? Je crois que c'est Mike. On va regarder après, Kago. Toi, c'est le strict minimum, on s'en fout. C'est Mike et Mac qu'on essaie de recruter. Toi, on a dit qu'on faisait toi un esclave. Donc Mac. Alors Mike, le problème, c'est qu'il est en coma catatonique. Donc ça va pas servir à grand chose. Mike a zéro en volonté, donc esclave. Oui, c'est vrai. Alors attends, c'est qui l'autre qu'on doit recruter? On a dit qu'on en recrutait deux. Pas toi, parce que toi on t'a amputé. Pas Jacob parce qu'on l'a amputé, on a commencé à le faire venir. Pas Camille parce qu'on a commencé à l'amputer aussi. Pas non plus Blue. Flou, pardon. Donc il en reste 4. Il reste Mike, mais comme tu l'as judicieusement dit, zéro volonté, donc c'est pas Mike. Little non plus, zéro en volonté, donc en gros c'est ça. Donc il reste Mac, ça on est d'accord. Donc c'est MJ. Ouais, c'est MJ. MJ, MJ.
Ouais, je vais plutôt garder le pouvoir. Mac est savante, elle se battra jamais. Oui, tout à fait. Mais elle fera du craft à fond, animaux et intellectuel. Mais je sais qu'elle est savante. Je prends et j'accepte. Honnêtement, il y a un moment donné, il faut des gens qui ne sortiront jamais, jamais de la salle de craft. C'est méga important. Oh, t'avais une fille, Kago ? Lady ? Alors, je sais pas de où. Peut-être une des assaillantes du précédent épisode. La vague de chaleur est passée. Visiteuse régulière, peut-être celle qui ouvre la porte au cultiste. Ah. Ah. Vu sous cet angle. Alors, ce qu'on a autour, on a quoi ? On a du bois, site forestier, 20 personnes, 16 personnes. On n'a rien d'intéressant. On a un complexe ancien. Mais là, avec le cube doré, je vous cache pas que là, ça va être compliqué. Je ne vais pas refaire les mêmes problèmes que j'ai pu avoir. Oh, grande sculpture. Ça, c'est bien, ça. C'est exactement ça, Kago. Ok, les stocks de bouffe remontent bien. C'est parfait. On se remet péniblement quand même. On a quand même pris une bonne grosse claque. J'avais beaucoup de matos ici. Flou. Oui, bah MJ. MJ futur esclave, hein, c'est ça ? Ah non, futur membre, pardon. On va peut-être mettre Flou ici, tiens. Ça, s'il pète un câble, ils se friteront entre les deux. Pareil, Camille, je vais te mettre avec Jacob. Là. Voilà. Oui, les visiteurs, ils arrivent. C'est l'Empire.
Ah oui, les personnes qui ont ouvert la porte ici, Galgarad, tu as raison. J'ai toujours ça qui traîne à l'extérieur, hein. C'est un truc de dingue. Ça me rend fou. Toutes ces armes-là qui sont potentiellement à fondre pour récupérer du matos. La salle du trône, elle avance petit à petit. J'ai toujours pas... Alors, je voudrais que c'est un mine ici. Pourtant, je l'ai autorisé. Mon mineur, c'est chose. Mais il fait quoi, chose? Il est sur le dressage. Il est sur le dressage aussi. Bon, je vais te mettre un petit peu sur le minage. Il faut casser du caillou. Là. Je suis mineur aussi. Ouais, mais tu peux pas être partout, Kago. Kago, il faut que tu craftes. Faut que tu craftes les composants, là. Je compte sur vous deux, là. Sur Canton et sur toi, là, depuis tout à l'heure. Je surveille régulièrement. Je passe, là, pour que vous fassiez tomber les composants, là. Parce qu'en gros, c'est fabrication des composants. Ensuite, c'est les composants avancés qui vont bien. Donc, c'est très important, là. C'est très, très, très important. En plus de ça, c'est les futurs fringues. Libérateur d'entité. Ah, mais on sent qu'il essaie de s'exprimer, lui. Hein. Ok, c'est bien. Lui qui casse du caillou, c'est ça qu'il faut, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait se faire des chemises en diable étoffe. Les chemises, c'est le truc nickel, ça. Bah, de toute façon, on en a déjà. Des t-shirts. On va faire des t-shirts en diable étoffe. Répétez jusqu'à en avoir 3. Uniquement diable étoffe. Et la qualité, je veux de la qualité bonne. Et ça va être Kago, tu vas t'en occuper. Bien entendu. Priorité principale. Let's go. Bonne immonta. Ciao, ciao. Ok, on est pas mal. Ah, j'ai 4 fragments. Attends, si j'ai 4 fragments, on peut me ressusciter. Il y a peut-être moyen de me ressusciter. Ah oui, puis en plus, c'est juste ça. Ah, il me manque juste de la viande. Ah, c'est même pas des fragments. Oh oui, bon, on va le faire. Il va falloir prévoir les fringues de noble aussi pour notre futur chevalier. Ouais, alors ça, par contre, vêtements de noble, on l'a pas fait, ça. Donc, on va les faire vite fait. C'est 2 x 400. Voilà. On va travailler sur... Est-ce que c'était vraiment ta fille, Kago, par exemple? Voilà, parce que je sens que t'avais des souvenirs vagues.
Donc, pose-toi les bonnes questions. Enfin, c'est ce que te suggère Gardane. Hein. Quand tu dis fille, est-ce que c'est pas un trait de l'esprit, ce désir, entre guillemets, de transmettre un savoir qui aurait pu faire croire que peut-être que la maman, par exemple. Pas de souvenir de la maman, je veux dire. Voilà. Hein ? Ah, là, par contre, c'est problématique, ça. Corn, hamstering, secours ! Alors, The Best, ça fait quoi ? De survivre à attaquer d'assaut et de crever... Hein ? On le sent comment, le truc, là ? Ça va, large. Ouais. Correct. Oh là là, qu'il est fort. Bon, Canton était là avec son épée... Trancheuse au cas où, mais qu'il est fort ce The Best. Vive le cube me protégera. Voilà. Pour... Mais là, c'est pro. J'aurais dû te laisser faire ton corps à corps avec là. Rah, je l'ai lu trop tard, ta phrase. Ah, on aurait fait moins le malin là. Oula, il y a Jacob en train de. Allez, Korbak, on s'y attendait pas, tiens. Ça y est, ça commence. Kago, tu vas me travailler sur ce truc. Et tu vas me démonter ce cube, quoi. Ah oui, c'est pas bête, ça. Effectivement, j'avais oublié cette partie-là. Ça donne combien en bois ? Ouais, suffisamment, suffisamment. Et puis en plus, ça donne de la bioférite ? Oh ! Ah, il est pas mal quand même. Ah oui, c'est vrai, il l'avait dit au patch. Effectivement. Effectivement, c'est vrai qu'il l'avait dit au patch. Exactement. Mais voilà, c'est ça qu'on veut là. Sérum de fer au sang. Mais non. Mais non. Non, je veux ça. C'est pas possible. Ouais, mais je l'ai vu après, Galgrad.
Allez, Barn. Me revoilà. Ah, et je suis frais comme un gardon. Ah, ouh, la, 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 la. Ah. Ah, je suis chaud, là. Je suis chaud. Alors, c'est vrai que c'est toujours buggé ici. Le mode, c'est LT Colony, hein, si je dis pas de bêtises. Le mode LT Colony, donc, qui permet d'avoir ça, est incompatible avec les ghouls. T'es infirme. Non, alors, je te permets pas, Kago. Hein, on se connaît pas assez. Hein, je, voilà. Hein, ok. T'inquiète. Va bien se passer. Je suis pas infirme. Je médite. C'est pas pareil. Hein? Organe prélevé. Non, mais... Organe... De suite, les grands mots. LTO, voilà, pardon. LTO Colony. LTO Colony Group, je ne sais pas si elle a eu un patch, mais effectivement, il est buggé au niveau des... au niveau des ghouls. Je me demande à quoi pense une ghoul quand elle médite. Manger. Oh! Non! Regardez-moi ça! Regardez-moi qui fait partie du groupe des visiteurs de l'Empire. Mais je le crois pas. J'étais en train de me dire, mais il est plus chez moi, lui. C'est le mec que j'ai donné en esclave à l'Empire. Regardez les caractéristiques de fou qu'il a. Il était clairement bizarre, ce gars. Et là, il est léché l'Empire. C'est celui qu'on avait démonté. Il a plus de poumons, il a plus de reins. Ben voilà, il est revenu à la maison. Et sans déconner, comme quoi, hein, la captivité, hein, ça vous marque. Hein. Ben voilà. Attends. Vous avez vu ce qu'il fait ? Récupère de la nourriture dans chose. Non mais sans déconner, le mec il se serre dans ses poches. Mais c'est abusé. Le mec il lui a piqué sa bouffe. Non mais je le crois pas quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Attends, il y a Camille qui est pas content là. Voilà. Allez, fini de jouer, on revient. On se calme, les enfants. Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, là, ça fait déjà deux fois qu'il lui pique de la bouffe, quoi. Obsession pour le cube. Non, mais Korbak, je sais que toi, c'est bon, tu seras dedans, quoi. Non, mais il l'a dépouillé, quoi. Je le crois pas, quoi. Non, Lorient. Comment les caractéristiques, ce mec-là est... Ce mec-là est bizarre. Regarde les dernières interactions qu'il a eues avec nous. Ça s'est pas tip-top bien passé, quoi. Ah,
Ah, mais Canton vient de prendre un t-shirt, je suis en train de voir, là. Eh oui. Ça va se servir, là. Et c'est normal. Voilà. Allez, full furious, c'est parti. Vas-y, Lynx. Voilà. Un invité n'a rien à... T'as de la thune au moins ? T'as pas de thune, c'est pas mon problème, quoi. Bon, on en est où, là ? Ok, on en est là. Enfin. Des yaks. Mais lol. Ok. Salut bûcheron. Eh mais ça t'inquiète pas, hein, on comprend. Hein. Boulot, boulot. Ok, on va pouvoir repartir sur les bases saines. C'est The Best qui fait la recherche avec toi aussi. Est-ce que tu glandes The Best ? En divertir. Et pas assez de recherche. Je vais monter tes niveaux de priorité, mon cher The Best. Parce que je veux que tu fasses de la recherche quand même. Il offense nos invités. Ah bah ouais, ouais, The Best, il fait monter sa sociabilité quoi. Pas dans le bon sens. Il fait évoluer sa sociabilité, pardon. Et moi, je suis comment là ? Oh, je suis frais comme un gardon là. Chaud patate. Camille est vraiment en mode vénère. Hein. Il faut lui soigner sa jambe, je pense. Ne soyons pas des monstres. Détachons immédiatement des médecins. Oula, j'ai vu un cœur brisé. Bardan garde là. Bard et Gardan se sont longuement disputés sur leurs problèmes d'intimité. Gardan essuie ses larmes. Oula la 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 la. Bah, nul au raid. Ciao ciao. On se voit dimanche. De quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Kago ? C'est du parler, moi. Allez, est-ce que c'est fait ou pas ? Non. Pourquoi on l'opère pas, Barn. Manque un de bois.
Non, mais ça, ça c'est une, c'est un faux problème, ça. Du bois, on en a plein, là. Moi, je ne pense qu'à la sécurité, quoi. Tu as de la sociabilité. Ah ouais, mais ça, c'est mon côté... Enfin, c'est mon côté, quoi. Ok, Jacob. Sans que tu essaies de t'exprimer aussi. C'est important. Allez, Canton. Voilà, couché. Allez, maintenant on va aider quand même. Allez, go. Ah mais le bois il en avait juste là. Un cadeau. Un fusil à verrou. Trop sympa. C'est un échec. Ne désespère pas, Barn. Un jour ça marchera. Enfin... L'expression, je... m'as compris. Quand on dit que ça marchera, c'est plus pour le... Hein ? Parfait. Non, mais je... On sent bien que t'essayes de faire des efforts, hein Ils en sont où mes animaux là ? Est-ce que ça se dresse là ? Ok, Léored est full opérationnel. Trumbro 1 est en train de monter. Petit Jean, point mort. Et il est où mon Tanguy ? Tanguy, il est là. Et il est comment ? Ça remonte aussi. Je rêve où je viens de voir la goule Arès vivante. Non, mais arrêtez. Mais je méditais depuis à peu près une quinzaine, vingtaine, 25... Enfin, pas mal d'épisodes, on va dire. Je réfléchissais à savoir comment vous allez vous en sortir sans moi. C'est tout. Je vais très bien. Je vais très très bien. Large. Alors. On fait ça où au lieu d'assemblage ? Façonneur de bioferrite. Ah ouais, je vais regarder ça. Oh, puis en plus, c'est pas cher. Par contre, c'est quoi ? C'est... Seuls les gouttes peuvent tolérer cette amélioration particulièrement douloureuse. Les dégâts subis par la goule au détriment de sa vitesse... Augmenter considérablement ses dégâts en mêlée au détriment de son amplitude de mouvement. Alors, surrénal, augmente également son appétit. Cœur corrosif. Alors. Je veux ça et je veux le piquant de goule. Pas mal ça.
Le temps. Non, je vais plutôt mettre de tanker là. Je vais tanker avec le cœur férocent et taper comme un gros bourrinos avec le piquant de goule. C'est bien Galgarad. Let's go l'agriculture. Là. Ok, Korbak. Tant que c'est sur Korbak, ça me va. Oh, c'est moche en plus. C'est ça. Katniss qui vient prendre du skill. Eh, la preuve. Artisanat 2. Parfait. Nous sommes passés alliés avec l'Empire. C'est une bonne chose. On a dit que c'était combien un trône ? C'était un trône de méditation, c'était 125. Faudrait que je trouve un petit peu de jade sur la carte. Je sais pas s'il nous en reste. Ça n'a pas l'air. Oh, j'ai tous ces corps-là qui sont... S'il me refait un truc, là... C'est pas cool. J'ai limite envie d'aller foutre le feu, quoi. Ouais, c'est même pas limite, c'est que je vais le faire. Je vais le faire. Il y a un fragment. Oh oui, il y a un fragment en plus. Bien vu. Oh. Discours sans intérêt. Ah, ça a pas plu ça. Tu vas tuer quoi exactement? Le zombie pan. Hein? Constantine Mauny. Ah, il est là, pan. Oui, bah vas-y, tu peux. Allez. Ouais, c'est pas très grave. Ok, tiens. Little, on est sur quoi, Little, là? Amadoué. Little, on est sur de l'esclavage. Hein. En espérant que ça crame bien. Ah!
Lorient, t'as tapé un petit peu trop fort. Non, pas toi là. Bidule, on va se calmer là. Sur tes 10 heures de chirurgie, on va se calmer. T'as peut-être sauvé la baraka une fois, mais on va se calmer. Sérieusement, on va se calmer. Non, c'est mes jouets. Ben voilà. Quelques cailloux à casser là. Alors. Non, t'as pas l'âge pour la recherche, Galgrad. Non, mais elle est où toute la bouffe là? C'est impressionnant quand même. Ça mange les morbacs là. Ça mange. Corbac, lâche ce cube. Putain, la vache, c'est 10 quoi. 10 pour un coup d'incendie. Bon, en tout cas, c'est efficace. En espérant que ça aille jusqu'ici. Mais au moins, c'est propre. Les pots pour bébé, oui, j'en ai. J'en ai. Ah, échec de la chirurgie. Je sens que Camille va devenir notre prochain stigmate, quoi. Ok, les grossistes qui arrivent, c'est parfait, ça. Ah non, l'incendie va être arrêté. Oh, c'est ballot. Ah, ça m'énerve, ça. Progression de l'étude du cube. L'analyse du cube doré menée par Kago a permis d'en savoir plus. Tout individu qui interagit avec tombe sous son influence et ressent un sentiment extrême de manque s'il en est séparé. Kago pense qu'il est possible de désactiver le cube et de continuer à l'étudier pour le découvrir. Eh ben, continue et défonce-moi ce cube. Il n'y a pas de lumière en tôle, tout simplement parce que y a pas de... ça n'a pas été refait. C'est qu'on manque d'acier. On manque d'acier, tout simplement. Allez, ça se remet dans la tronche. Moi, je le sais se débrouiller. Voilà. Je mise sur Lynx. Ça va bien se passer. Allez, let's go. Oh, ils ont un peu de thunes, ça c'est bien ça.
Ça, c'est très bien, ça. Allez, le chocolat, c'est bon pour le moral. Les composants, le nerf de la guerre. Allez, on achète les 40. Le tissu, pareil, il m'en faut encore. Dix coups de fouet pour Canton. Eh, je sais, mais c'est pas grave. Ouais. En plus, Canton, c'est pas comme si qu'il avait son épée consciente et compagnie. Donc, faut faire attention. Hein. L'acier, j'achète. Oh, par contre, j'espère qu'il va racheter les trucs parce que là, c'est plutôt lui qui est en train de me ruiner. Là. 4000. Watcha. Attends, j'ai plein de trucs là. Eh oui, j'ai des poumons. J'ai les reins. C'est la moisson. Et voilà. Alors là, je vous attends, les mecs. Oh, bonsoir. Erisimum Gaming, merci beaucoup pour ton raid de 6 personnes. Soyez à toutes et à tous les bienvenus. J'espère que ton stream s'est bien passé. Ok. On va continuer à faire un peu de thunes. Je vais garder les trucs les plus excellents et on ira les revendre à l'Empire. Mais c'est bien là. Je l'ai bien rincé et on se fait un peu de thunes. Donc ça, c'est cool quoi. Salut Cascami. Ok, on fait un peu de blé. Et surtout, on fait les composants. Ça, c'est cool. J'en avais beaucoup, j'en avais tant que ça, les petits tas. On va regarder. Oui, du Rimworld, je me suis fait éclater au début de session par Randy. Nouveau départ. Ah, ça. Ça, c'est sûr que Randy, là-dessus, ça picote. Fourrure de loup. Bye. Merci beaucoup pour le follow. Dank. Oui, j'ai pas beaucoup de petits tas en fait. Hein. Loup, cobaye. Et encore le cobaye, je le garde parce qu'en fait, je le sublime avec l'élevage de chips que j'ai. Quoi. Et l'alpaga, j'en ai besoin. Donc, non, j'ai pas grand chose. À part la fourrure de loup, j'ai pas des petits tas de cuir par-ci par-là. Quoi. Quête disponible. Alors. 14 mégatherium sauvage. Honnêtement, j'ai rien qui est intéressant. Ouais. Ouais, c'est pas non plus la quête ouf. Ils ont des livres. Ouais, mais nous aussi, on est déjà blindés en livres. Je préfère plutôt refaire de la thune, là. Parce que, tu vois, on est à deux doigts d'aller faire du commerce avec l'Empire. Et ça va le faire, quoi. Là, je vais devoir faire cette salle de trône avec du marbre pour l'instant, quoi.
Un 30 chacun. Eclipse, let's go. Ça se passe bien, hein, la sélection naturelle. Ce qui m'inquiète juste, c'est que... on est en train de perdre des trucs et là, ça m'énerve. C'est pas dans mes habitudes de perdre des trucs comme ça. Donc on va forcer le trait, là. Ouais. Oh, t'es chaud, Lorient. Bon, à part l'arrivée du cube, ça aurait été un épisode calme ce soir. Et après ce qui est arrivé la semaine dernière, j'en suis pas mécontent, on va dire. Catatonique, organe prélevé. Non, mais arrêtez. Ils sont très tatillons, les mecs. Hein. Là, tu leur retires un bras et t'as l'impression que tu leur arraches, quoi. Enfin, je veux dire... hein ? Enfin, vous m'avez compris, quoi. On plaisante. Un petit cube, un gros cube, c'est l'heure de la péricure. Mais oui, ils sont fragiles. De suite, tu leur retires... Tu les emprisonnes. Quand ils se réveillent, il leur manque un organe par-ci, un organe par-là, et ils ont une fracture de morale. Sans déconner. Oh là là. Voilà, au moins il n'y a pas de gâchis. Oh! Ça y est, Canton se décide enfin à faire le bâtiment pour. Pas le bâtiment. L'entrée pour la brasserie. Oula. Allez, seconde victime. Ah bah tiens, The Best qui va insulter Gardan à cause du mauvais discours. Cette bonne guerre. Oula.
Jacob a défoncé Camille. Ah, ça a pas traîné. Hein. En même temps, Camille n'arrêtait pas de geindre. J'ai mal, ça fait 7 fois qu'ils m'opèrent, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. On peut comprendre que ça a dû taper sur le moral. Je comprends. Oula, oula. Attends, mais qui se frite maintenant? Ah, c'est Gardan. Ok, c'est bon, ça se calme, ça crépait le chignon. Mon Dieu. C'est aussi ça, la sélection naturelle. Exactement. Des visiteurs. Allez, l'Empire revient. Oh, future jambe. Parfait. Oh, futur mortier. Parfait. C'est bon, on se remet. Péniblement, mais on se remet. Je pense quand même qu'ils ont mis du temps à réagir pour le discours. Ah, ça, c'est sûr. Ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ils auraient pu péter un câble bien avant, quand même. Ah, tu vois, un trou dans la salle de l'anomalie. Ouais, je sais. Ça reconstruit vraiment péniblement. Ok, toujours Korbach pour le cube, ça me va. La jambe de Monsieur Gamer est prête. Parfait. Donc, jambe gauche. Ok, monsieur Gamer, il commence à être bien pimpé là. Je comprends pas là. C'est, en fait, effectivement, je regarde depuis tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi, voilà. C'est bon. On n'a pas notre bébé là en route là. Me semble pas là. Barney et Jeanne, c'était les deux seules mamans en cours.
Ouais. Ouais, d'accord. Alors, apprendre à quoi ? Des casques de reconnaissance. Casque de reconnaissance. Casque de reconnaissance. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes, effectivement. Bébé Trumbo, peut-être. Ouais, il y a deux Trumbo enceintes. C'est qui? C'est The Best. 15 ans. T'as combien d'heures de jeu sur le jeu? Oh. J'ai envie de te dire beaucoup. Alors, avant que je l'achète sur Steam, je l'avais déjà récupéré. Donc, je ne sais pas. Je dirais peut-être beaucoup, entre beaucoup et énormément. Non, honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Parce que le score, ce que tu peux voir sur Steam, ça serait forcément biaisé parce qu'il y a... Je dirais que tu peux par rapport au Steam, tu peux rajouter un bon quart. Si c'est marqué par exemple 1500 heures, bah, tu peux rajouter un quart de ça. Je sais pas. Faut regarder. Alors, un raid. Groupe de mécaniques venus d'une ruche. Ils attaquent immédiatement. Ces pierres ont l'intention de faire une brèche dans vos murs. Ils traceront leur propre passage dans votre colonie et détruiront tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Let's go, baby. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne silencier, ça passe large. 3 faucheurs, ok. Termite, donc ça fait des trous. Et on a un centipède. Je compte pas le piquer. Le piquer, ça vaut rien. Ok. Ça va taper là. Et vous savez quoi? On va se la finir en cliffhanger. Ah ah ! Donc, dimanche prochain, on continue la suite de cette campagne sur Anomaly. On enchaînera donc d'entrée de jeu sur ce petit assaut qui normalement devrait bien se passer. Mais on va voir, le jeu va essayer de me faire mentir. Merci beaucoup en tout cas de votre présence, de votre fidélité, des follow, des subs, des resubs, des bits. Et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour la suite des aventures. Bye bye les gens.